Absatou Sinep un peu fier. La chroniqueuse des Terriens du dimanche, C8, a concrétisé un nouveau projet. Le 26 mai dernier, elle a ouvert sa première boîte à beauté Absatou France au centre commercial de Belle Épine, à Sierre. Un heureux événement qu'elle a bien entendu partagé avec son compagnon Vincent Cerruti. Les parents d'Abby, 1 an, ont posé complices devant les photographes. À lire aussi Furieuse qu'on dévoile ses fesses, prend sa revanche Furieuse qu'on dévoile ses fesses, prend sa revanche Catherine Zeta-Jones, Furieuse qu'on dévoile ses fesses, prend sa revanche et Yamnouré Absatoussi, jeune maman complice pour une soirée beauté Absatoussi et Vincent Cerruti, amoureux complice pour une soirée prestigieuse. Radieuse en petite robe noire, Absatoussi a également pu compter sur Laetitia Mande, qui en janvier dernier lança Genoticancé, l'association de lutte contre les cancers génétiques et tout d'origine héréditaire. Fière et heureuse, la femme d'affaires de 37 ans, a partagé son bonheur avec ses fans sur Instagram en postant un long message. Après avoir remercié son équipe de l'avoir soutenue et précisé où se trouvait son magasin, elle a écrit « Hier, je me suis assise longuement, dans cette boutique en me disant, j'y suis ». Après les douloureuses fermetures de mes salons en 2013 ethnicien, nœud de la rédaction, que certains avaient célébré, j'avais promis de travailler dur pour revenir. Pour les clientes et pour toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. J'avais dit, sans esprit revanchard, que ceux qui pensaient trinquer à ma défaite allaient mourir de soif. Mais ce n'est pas pour cela que je l'ai fait, c'est surtout pour poursuivre mon chemin, celui d'honorer le parcours de mes parents, de les rendre fiers. C'est aussi parce que le rêve permet de vivre autrement et que le travail doit devenir passion.